Et bonjour à toutes et à tous, c'est Slice, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le Let's Build. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai construit la roue à eau dont je vous avais parlé la dernière fois. Il y a un champ de blé aussi, évidemment. Et il y a un autre truc par là-bas, là, de l'autre côté de la maison. Mais j'ai fait un timelapse, vous allez le voir tout de suite. Allez, bon timelapse et on se retrouve juste après. Such as this. The computer technology. The history of the future. Rewriting, recreating the same old programs over and over and over. What was wrong with the world? First musical instrument. Extremely low frequency. We live in a special kind of space. Such as this. The computer technology. The history of the future. Rewriting, recreating the same old programs over and over and over. What was wrong with the world? First musical instrument. Extremely low frequency.
voilà, j'espère que ce petit timelapse, enfin même ces petits timelapses vous auront plu. Je vais peut-être juste rajouter des mini-phares là. C'est Lilypad, ouais, voilà, c'est ça. Ah, merde. Tac. Je vais en mettre un là et un là, allez. D'ailleurs, c'est. Ouais, c'est bizarre, on va juste rajouter. Une chose. Ouais, voilà, que ce soit équilibré. Donc voilà, donc du coup, comme vous avez pu le voir sur le timelapse aussi, on a le petit machin pour porter le blé du champ, je sais même pas comment ça s'appelle. Vous avez pu voir ce fail magnifique là à côté des barrières. C'est tout. Donc j'ai fait pousser le blé avec de la bonne mille, parce que je trouvais que ça donnait un meilleur effet quand le blé était... était bien jaune comme ça. Et du coup, pour cette maison, je crois qu'on aura fini. Enfin, à part l'intérieur, bien sûr. Du coup, comme vous avez pu le voir, on ne l'a pas fait dans cet épisode, on le fera dans le prochain épisode. L'épisode est assez court, mais je pense pas que j'aurai le temps de faire l'intérieur. Enfin, si je commence l'intérieur, il va être trop long. Et j'ai pas envie de commencer autre chose alors qu'on est encore sur cette maison. Donc l'épisode va être assez court. Mais bon, on a quand même fait pas mal de trucs. Puis en même temps, c'est des timelapses. Donc c'est normal, et du coup j'ai réfléchi au truc que j'avais dit la dernière fois pour les maisons, vous savez j'avais mis Dragonio et Pix Room. En fait je me suis dit, si vous avez même un compte PMC, ou même si vous avez rien, vous avez juste un compte Minecraft, vous êtes abonné à ma chaîne, bah en commentaire vous mettez votre pseudo Minecraft, et je vous mettrai dans cette maison là. Je pourrais en mettre 4, je pense, dans cette maison-là. On pourra faire 2 grands lits de place. Donc voilà. Donc s'il y en a qui veulent, je mettrai les 4 premiers. Même si je pense pas qu'avec mon nombre d'abonnés, il va y en avoir beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. On va bien voir. Et puis sinon, j'attendrai. Hein. De toute façon, je fais toujours les commentaires, même sur mes anciennes vidéos. Donc voilà. Après, par contre, pour la fin de l'épisode, je vais pas vous faire une cinématique, parce qu'on n'a pas... que le champ de blé et la roue, si vous voulez, je vais vous le montrer de nuit, ce que je ne voulais pas montrer d'ailleurs. Parce que je mettais de jour à chaque fois pendant le timelapse, parce que la qualité est beaucoup mieux du coup. Parce que de nuit, la qualité du timelapse, c'est pas trop ça. Bon, là, avec les shaders, ça fait un peu abuser la lumière, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même vous rendre compte, ça fait plutôt pas mal. Et on va aller voir ça, enfin de toute façon, il n'y a pas de lumière là-dessus, donc ça ne change rien de nuit. Et donc voilà pour cet épisode là. Là oui, juste j'ai remplacé les bûches par des escaliers en spruce, parce que en fait je trouvais que les bûches, enfin on avait l'impression que ça faisait partie de la roue, et du coup ça cassait un peu la symétrie entre les deux roues côte à côte. La roue, honnêtement au début j'étais pas super satisfait, parce que en fait à l'échelle de la maison je vais la faire assez petite. Et je trouvais pas que ça avait une forme très arrondie, mais maintenant, quand je la vois de là, là ça va. On pourrait peut-être juste ajouter un peu de relief en mettant des boutons là. Je vais voir si ça fait... Ouais, je vais les laisser. Je vais mettre de l'autre côté. Hein. On fait les détails bien. Et juste là, sur la bûche, ça fait un peu long. Je pense que j'ai peut-être rajouté des fences comme ça. Comme j'avais fait pour le moulin pour la première maison. Tac, même si vous n'avez pas vu la construction. Ben voilà, ça fait plus fortifié. Je vais vous montrer comment ce que j'avais fait pour le moulin à la première construction. Je vais juste remettre le jour. Ah, je me suis trompé. Ah oui, j'ai collé time et set. Voilà. Oui, du coup, le moulin pour la première maison. Voilà, en fait, là, c'est de la stone brick. Et autour, j'avais mis des barrières de cobble pour fortifier un peu. Donc, du coup, là, avec le champ, on voit quand même que ça commence vraiment à prendre forme, notre petite ville. Même s'il n'y a que deux maisons. Mais le champ ajoute vraiment un côté RP un peu. Et donc, c'est vraiment cool.
Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, même si c'était assez court. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de cinématique là après, parce que on a pas fait non plus grand chose dans l'épisode. Donc voilà, et à la prochaine pour la décoration de la maison. Allez, ciao!